Et donc, comme prévu, nous nous retrouvons sur la partie 2 de cette vidéo. En tout, il y a 3 parties, et là, nous sommes sur la partie 2, attention. Partie 2 que je tourne avant la partie 1. C'est très logique. Mais bref, dans la partie 1, on va dire ça comme ça, dans la partie 1, je vous avais dit que dans cette partie 2, nous allons parler plus en profondeur de l'histoire de la chaîne Oliver Flav, ses débuts. Et plusieurs années se sont écoulées, et il y a eu forcément plusieurs vidéos, des tentatives de nouveaux styles, de nouveaux formats de vidéos. Mais bon, globalement, c'était plutôt des vidéos tests, ou des rétro-tests. Et donc, comment s'est fondée la chaîne Oliver Flav? Hein, parce que vous allez croire, pour les nouveaux qui... Les nouveaux abonnés, les nouveaux arrivants, vous allez plus croire que la chaîne Oliver Flav a été fondée par moi-même. Mais pas du tout. Parce que bon, même si à l'époque, en 2010-2011, quand je suivais énormément Hooper, c'était mon époque Hooper, j'adorais ses vidéos. Et j'adore toujours ses anciennes vidéos, parce que les nouvelles, c'est compliqué les lives. Mais bref. Quelqu'un que je respecte toujours. Et c'est un youtubeur que je suivais énormément, surtout à l'époque. Et comme ça, bah, j'avais pensé, voilà, à peut-être un jour, et vraiment peut-être un jour, je me suis dit dans ma tête comme ça, pourquoi pas faire de même, créer une chaîne YouTube et de partager ma passion vidéoludique. Bon, après, j'y pensais comme ça vaguement, hein, mais bon, j'avais pas vraiment la motivation ultime. Mais c'est un beau jour, enfin, lorsque j'étais chez Fireflav, un ami d'enfance depuis l'école primaire, quand même, ça remonte. Bah, c'est depuis ce jour-là qu'il a... Il a dit, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui l'a inspiré, enfin peut-être parce que oui, il suivait quand même des youtubeurs sur Rome Total War, et puis lui, ça lui donnait vraiment envie de faire des vidéos sur Rome Total War, principalement. Je pense que c'est pour ça qu'il a voulu fonder une chaîne YouTube. Mais voilà, c'est lui qui a fondé la chaîne YouTube, tout simplement. C'est lui qui a donné le nom Oliver Flav. Et mon pseudo, Oliver Plasma, bah, c'est aussi lui qui l'a trouvé, parce que c'était... un surnom que j'avais à l'époque de l'école primaire quand on jouait aux agents secrets. Ça remonte à longtemps. C'est sur un délire d'enfance. Et donc voilà, il m'appelait souvent Oliver Plasma. Et puis moi je n'ai plus de souvenirs, par contre, je sais plus si je lui avais donné un surnom. Mais lui en tout cas, il s'est trouvé un surnom, un bon pseudo Fireflav. Ça claque. Attention, ça claque. Et du coup, voilà. Bon, en fond, je pense que je vais vous mettre une vidéo, ou je vais vous mettre quelque chose en fond, parce que c'est vrai que là, je filme pas grand-chose. Mais bon, pour l'instant, je vais vous faire patienter avec un fond. On va dire... une image de fond. Une vidéo de fond. C'est vrai que là, ce qui se passe à l'écran, ce n'est pas forcément très palpitant. En tout cas, voilà, c'est Fireflav principalement qui a fondé la chaîne. Et c'est lui qui a trouvé les idées sur l'introduction, enfin sur l'intro de nos vidéos. Donc on l'avait pas fait tout de suite d'ailleurs cette intro, on l'avait fait un petit peu plus tard, mais bon, assez rapidement. Cette intro qui a été filmée chez moi, enfin chez mes parents à l'époque. Et ouais, c'était une intro pour vraiment les vidéotests et les rétro-tests. Parce que à la base, notre chaîne a été basée sur les vidéotests et rétro-tests, point. Même si par la suite, on est un peu parti sur d'autres horizons. D'autres chemins, on va dire. Mais bref, voilà, à la base, c'est vraiment rétro-tests, vidéotests. Et surtout plus rétro.
Sur quoi je peux vraiment commencer. Alors, après, voilà, il y avait juste la dernière idée de cette intro quand on pointe nos fusils là, sur l'écran. Enfin, très exactement, c'est. Il sent que moi j'ai un fusil d'assaut et lui il a un fusil de chasse. Voilà. En plastique évidemment, attention. On est en France, vain Dieu. Mais donc, voilà, il y avait juste cette idée-là, et puis aussi l'idée de, vu que il avait mis la musique de Rocky, Eye of the Tiger, ben moi ça m'a tout de suite fait penser, voilà, bah, c'est forcément l'entraînement, c'est quand il s'entraîne à la boxe, etc., qu'il est motivé là, pour vaincre son adversaire qu'il n'arrive pas à vaincre dans le film, etc. Enfin bon, je peux vous faire un dessin si vous avez vu le film. Mais sinon, bah pour s'inspirer de ce truc-là, du coup, moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas... Voilà, pourquoi pas... s'entraîner avec les boîtiers des jeux, et du coup, bah, de faire... un moment, moi qui est en train de frapper sur les jeux, bon, évidemment, je frappe pas en réalité, je frappe pas fort, mais voilà, montrer que... Ah non, c'est, je dis n'importe quoi, c'est Firefluff qui frappe et c'est moi qui mets les jeux devant pour qu'il frappe dessus. Voilà. Et donc voilà, j'avais trouvé cette idée là, et puis Firefluff lui il a dit bah tiens, pourquoi pas aussi faire comme si on soulevait des poids. Donc voilà, comme si on soulevait un halter. Donc voilà, bah. On a une idée comme ça. Originale. Et bon, un peu loufoque, parce qu'on a vraiment voulu faire un style très loufoque et vraiment pas sérieux de la chaîne. C'était plus pour la rigolade et pas vraiment très 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 sérieux, même si la chaîne par la suite est devenue un peu plus, on va dire, entre guillemets, professionnelle pour les vidéos tests. Mais au début, c'était vraiment à la rigolade, et puis on faisait vraiment, quand c'était des vidéos tests, c'était vraiment sur des jeux que l'on n'a même pas fait en entier. Hein. C'était bon, des tests vraiment à l'arrache. Hein. Enfin, ce Silent Hill Homecoming, par exemple. De toute façon, je vais vous... bientôt, je vais vous... dans la partie 3, je vais vous montrer... Bon, je bafouille pas mal. Je vais essayer de couper les fois où je bafouille. Ça serait peut-être pas mal. Bah, en tout cas, dans la troisième partie, je pense qu'on... On se mettra du Silent Hill Homecoming test, peut-être le premier, la première partie. Du Mario Kart Double Dash mode bataille, c'est plutôt rigolo. Et je pioche comme ça au pif. Hein. Et le Zelda Twilight Princess partie 1, qui est en fait la première vidéo d'un Let's Play. Voilà. Donc je sais plus si je l'ai déjà dit, mais voilà alors. On va commencer voilà, par... parce que maintenant que j'ai introduit un peu comment la chaîne Oliver Flav est arrivée, avec ce logo magnifique, hein, le logo d'un soleil. Finalement, c'est aussi Fireflav qui a tout fait, hein, il a fait le logo. Il s'est plutôt bien débrouillé, hein, il a fait un truc tout simple, hein, mais efficace. Faut pas forcément faire un truc compliqué. Hein, et ce qui est bien, voilà, c'est qu'il a réussi à faire... un truc simple et lisible. Et bah je trouve que c'est un logo qui se reconnaît directement. Et bah moi, c'est un logo que je vais jamais changer. Peut-être, si ça se trouve, à l'avenir, peut-être qu'il va être amélioré, hein, je ne sais pas. Mais il faudrait garder ce côté authentique de la chaîne. Très simple. C'est juste un soleil avec nos pseudos dessus. Alors, pseudo Oliver et Flav. Qui est un mélange de évidemment Fireflav et Oliver Plasma. Et je trouve que ce logo, bah. Il pète, quand même. Il pète. Ah, c'est bien beau. Je ne sais pas si Fireflav écoutera cette vidéo. Et s'il écoute, je pense que. Il en serait fier. Ou alors il s'en foutrait, je ne sais pas. C'est vrai que maintenant, il est plus trop sur la chaîne. Et bref, voilà, donc on va commencer
sur voilà, le début de la chaîne Oliver Flav. On va commencer direct. Alors voilà, on avait commencé sur Silent Hill Homecoming Test. Alors, enfin, on voit qu'on a commencé là-dessus, mais notre première vidéo, ce n'était pas celle-là. Notre toute première vidéo, c'était un rétro-test sur Super Mario Bros. 2. Le problème, c'est que je n'étais pas du tout fier de ma prestation, et c'était peut-être qu'il y a 5-6 ans que j'ai supprimé cette vidéo. Parce que bah, je trouvais qu'elle ne rimait pas grand-chose. Parce que bon, on ne disait pas grand-chose du jeu, il y avait beaucoup de blanc. Bah, c'était une vidéo un peu achetée à la poubelle, et qui n'était pas très plaisante à regarder, parce que Fireflav essayait de combler le vide. Et moi, je ne disais pas grand-chose, parce que bon, j'étais trop timide, je ne sais pas. C'est vrai que dans cette première vidéo, c'était très compliqué pour moi. Je ne pouvais pas faire des vidéos tout seul. Hein, c'est... Commenter tout seul. Sur le coup, tu te dis, voilà, quand... Enfin, vous vous dites... je préfère vous voyez, c'est plus classe. Vous vous dites que... Bon, c'est quelque chose où il faut juste être naturel, ce n'est pas très difficile. On fait comme si on parlait à un pote, voilà. En faisant une vidéo. Et le problème, c'est qu'une fois, la première fois que l'on filme, si vous n'avez pas... Bon, après, c'est vrai qu'avant, j'avais fait un peu de théâtre. C'est peut-être pour ça que j'aimais bien aussi doubler les personnages dans les jeux vidéo, surtout dans les Zelda. Mais par contre, j'avais toujours quand même ce côté timide, et j'avais du mal à m'exprimer clairement en filmant juste comme ça, et en étant tout seul. Donc le fait que Fireflav soit à mes côtés m'a permis quand même de combattre ma timidité et de plus m'exprimer. Donc c'est vrai que à cette époque-là, j'étais très timide, j'ai beaucoup changé depuis. Et voilà, bah, en tout cas, je remercie Fireflav pour m'aider à combattre, m'avoir aidé à combattre ma timidité éternelle, vain Dieu. En tout cas, voilà, et cette vidéo, bah, j'en étais pas vraiment très fier, et j'avais envisagé de refaire un rétro-test sur ce jeu-là, Super Mario Bros. 2, donc je me suis dit, bon, je vais la supprimer. Parce qu'elle ne valait pas vraiment le coup. Pour la recommencer plus tard. Bon, alors, je n'ai toujours pas recommencé le rétro-test de Super Mario Bros. 2. Mais je le ferai bientôt. Je le ferai. Parce que c'est un jeu de mon enfance. J'ai pas mal de choses à dire sur ce jeu. Et surtout que maintenant, avec... on va dire mon savoir de commentary. Hein, si je puis dire. Mes phrases ne veulent pas dire grand-chose, mais je pense que vous avez à peu près compris le truc. On va dire ma formulation qui est un peu mieux. Ben je vais pouvoir vous faire un rétro-test un peu plus sensé de la chose. En tout cas, voilà, donc c'était parenthèse fermée pour Super Mario Bros. 2. Silent Hill Homecoming, test, partie 2, partie 3 après. Alors, ça c'est... Comment dire, c'était vraiment pas professionnel. C'est vraiment à l'arrache, hein. On avait fait ce jeu-là de notre côté, jusqu'à la moitié à peu près du jeu. Et après Fireflav s'est dit, tiens, si on allait faire un petit test, en plus on pourra donner les notes à la fin. Parce qu'on avait cette manie de donner des notes à la fin de la vidéo. On aimait bien cette mode de faire des notes. Maintenant, je trouve ça un peu ridicule. Mais à l'époque, voilà. À l'époque, je me référençais très souvent à jeuxvideo.com. Ah, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Très souvent à jeuxvideo.com, qui était notre site de référencement. Et c'était aussi sur ce site-là qu'on avait fait un peu notre pub pour la chaîne YouTube. On avait carrément créé un forum pour ça. Bon, d'ailleurs, en 2004, je crois que c'était en 2014, c'est ça. J'avais aussi fait la pub de la chaîne, c'était un peu abusé, sur le site de Hooper. C'est dans la section forum, où on peut discuter de tout. Alors, c'était un peu fourbe de ma part. Alors voilà, je vais finir par cette parenthèse, et après on va commencer réellement pour Silent Hill. Et les autres jeux. Enfin, les autres vidéos en général. Mais voilà... Pour la parenthèse, c'est que bah, maintenant j'ai gagné en maturité, je trouve ça complètement ridicule. Mais avant, voilà,
j'avais vraiment envie que la chaîne soit un minimum connue. Qu'il y ait quand même des retours. Alors on a eu quelques retours au bout de sur des vidéos qui dataient de 3-4 ans, mais bon. C'est un peu trop vieux. enfin pas 3-4 ans, enfin. Plutôt des vidéos qui dataient de 2 ans. Plutôt, parce que en 2014, c'est quand même 2 ans après la création de la chaîne. Mais c'est vrai qu'il y avait certaines vidéos où c'était au bout de 3-4 ans qu'on avait réellement au moins 1000 vues et qu'il y avait des commentaires dessus, mais ouais, c'était un peu tard. Mais sinon, bah par exemple, le test de Naruto Shippuden sur Wii, au tout début, il y avait très très peu de vues pendant 1 ou 2 ans, et puis après, pouf, ça a explosé. Alors bon, ça reste quand même une vidéo peu connue, mais pour nous, c'est bien. Pour nous, 1000 vues, on est content. Toujours maintenant, hein. On est toujours content si on a une vidéo à 1000 vues. Et même maintenant, on a même moins de vues qu'avant, parce que c'est de plus en plus dur de faire vraiment des vidéos avec beaucoup de vues. Mais bon, voilà, à l'époque, on voulait vraiment que notre chaîne soit un minimum connue. Firefly voulait même que la chaîne soit monétisée, qu'on ait un petit revenu. Bon, alors que, bon, au final, ça s'est pas fait, parce qu'on est vraiment pas connu et ça sert à rien. Et puis, bah, finalement, bah, moi, je me dis, bah, c'est pas plus mal, parce que faire des vidéos pour engranger de l'argent, donc se forcer à faire des vidéos, à avoir un rythme hebdomadaire, c'est un peu... bon, c'est un peu pénible. Dans ce genre de circonstances, on ne doit pas se forcer. Voilà, on a créé cette chaîne, c'est pour la passion, et ça restera pour la passion, vain Dieu. Donc si j'ai pas trop envie de faire une vidéo, bah tant pis, il n'y aura pas de contenu. Mais je préfère vous faire moins de contenu, mais un contenu plus qualitatif, qu'un contenu un peu moyen, mais bon, vous avez un contenu, beaucoup de contenu. Hein, comme un certain Kirby54. Je viens de le nommer, fichtre. Bon, c'est pas grave. Et il a changé de pseudo maintenant. Vous n'allez plus le reconnaître. Voilà. Mais voilà, en tout cas. On est parti un peu en live. Et voilà, c'est tout ça pour dire qu'en 2014. Je m'étais créé un compte à la base juste pour commenter sur les vidéos de Hooper, etc. Puis un peu parler avec la communauté, que je trouve maintenant un peu sectaire. C'est une secte, hein, très clairement, la communauté de Hooper. Alors il y a quelques personnes qui sont quand même sympathiques, hein, dans le groupe. Il n'y a pas que des gens bizarres, mais globalement, bah, c'est des trentenaires, 30-40 ans, qui sont souvent un peu perdus quand même. Être méchant, et voilà, il vénère Hooper un peu comme si c'était un dieu, hein. Et donc ça n'aide pas trop Hooper de ce côté là mais bon, après lui ne le prend pas forcément mal et continue quand même à faire ses lives, etc. Mais c'est vrai que parfois ça fait un peu peur, après c'est, il n'y a pas que sa communauté sur YouTube, il y a quand même d'autres personnes, enfin des anciens de la communauté, enfin qui ne sont pas trop sur le site. C'est vraiment que ceux sur le site qui sont assez bizarres. Parce que sinon, les vieux de la vieille, qui sont arrivés au début sur le site, et que bah, là, ça fait un moment qu'ils sont plus sur le site, mais qui sont revenus sur YouTube pour commenter sur les lives d'Hooper, eux, ils sont généralement plutôt matures et sympas. Bah d'ailleurs, j'ai pas mal communiqué avec eux, etc., sur différents lives d'Hooper. Il y a une bonne ambiance, etc., mais... Ouais, n'allez pas trop sur le site d'Hooper.fr, ne lisez pas trop les commentaires, par contre. Surtout actuels, parce que ça fait peur, hein, on dirait, ouais, vraiment une secte, hein. Et Hooper, c'est leur dieu. Bon. C'est parti en live. Et en tout cas, j'avais créé un compte sur ce site, en 2014. Et j'avais, quelques mois après, j'avais créé un... Enfin, très peu de temps après, 3-4 mois après, un truc comme ça. J'avais créé un forum.
sur du coup le top 10 de... des jeux de GameCube. Votre top 10 des jeux de GameCube. Donc moi j'ai montré voilà, mon top 10 que j'ai fait en vidéo. Et donc ça fait de la pub pour ma chaîne, forcément. Et j'ai fait pareil pour le top 10, oui. Donc là c'est plutôt passé, les modérateurs n'ont pas trop calculé le truc. Ils se sont dit, bon, ça partage les top 10, la nostalgie, tout ça. Par contre, un beau jour, j'ai un peu abusé du truc. Et j'ai carrément parlé de... je sais pas si je vous ferai des captures. Bon, je pense que j'aurai la flemme, mais bon, je vous en parle comme ça. J'avais parlé de Donkey Kong Country Tropical Freeze. On avait fait un vidéo défi avec Fireflame. Enfin, plusieurs vidéos défi avec Fireflame. Et bah du coup j'ai fait une petite pub là-dessus pour dire à quand Hooper, Hooper va bientôt, enfin j'espère qu'il va bientôt faire parce qu'il avait dit qu'il allait faire une vidéo défi sur Donkey Kong Country Tropical Freeze. Donc nous on a fait un peu la même, mais en duo avec Firefly. Et c'était mon idée, voilà, forcément, de poster ça sur Hooper.fr, et j'avais un peu abusé du cassoulet. Bon, on a tous fait des bêtises dans notre vie. Mais voilà, là, ça fait vraiment trop... un peu trop lourd. À chaque forum, en fait, je fais la pub de la chaîne. Un peu abusé. Et bon, là, ils ont commencé à être un peu méfiants, là, les modérateurs. Ils se disent, voilà, attends, celui-là, là, qu'est-ce qu'il fait? C'est un troll, il fait que de la pub sur sa chaîne, là. Enfin, voilà. Et le pire, c'est quand j'ai dit, c'est quand que la vidéo test... C'est quand que le vidéo test de... Enfin, la review de Hooper sur Donkey Kong Country Tropical Freeze arrive. C'est moi, je l'attends avec impatience, machin, enfin, voilà. Mais bon, après, j'étais pas du genre... J'avais juste dit, j'espère bientôt une review sur Donkey Kong Country Tropical Freeze, mais c'est tout. Après, j'ai pas forcé Hooper. Je suis pas du tout forceur, par contre. Hein. Je suis pas quelqu'un de chiant à ce niveau-là. J'en avais juste parlé comme ça avec la communauté. Et un beau jour, j'avais fait un forum sur un vidéo-test, en attendant vidéo-test de Donkey Kong Country Tropical Freeze sur ma chaîne. Voilà. Et là, par contre, c'était le drame. Une catastrophe. Là, j'avais... Alors, la vidéo était connue. Plutôt connu, parce que c'était la plupart des de la communauté Hooper.fr qui avait vu la vidéo. Et par contre, j'avais tout de suite, très rapidement, en un jour seulement, il me semble j'avais 1000 vues, et tout de suite j'avais 6 j'aime pas et 0 j'aime. Voilà, la catastrophe. Pourtant la vidéo elle est pas... C'est pas une catastrophe la vidéo elle est passable. Bon, maintenant évidemment, j'ai fait mieux en vidéo test, mais... Voilà, en 2014, je me suis plutôt bien débrouillé, entre guillemets, on va dire. Bon, c'est bien Cooper, évidemment. Mais voilà, c'est pas une vidéo catastrophique. Moyenne. Voilà, j'ai eu plein de j'aime pas, parce que c'était à cause de ma pub, forcément, sur Hooper.fr. Ça avait fait polémique, ce qui est logique. Je m'en excuse. Et du coup, bah après... Bah, j'avais tout simplement striké, enfin j'avais supprimé la vidéo. J'avais supprimé la vidéo et je l'ai re-uploadé plus tard. Voilà, alors maintenant, vous avez la deuxième version qui est re-uploadée, qui est exactement la même vidéo que la première, c'est juste que. Bah, y a plus les j'aime pas, tout simplement. Voilà, parce que bah, j'étais assez susceptible et je me disais, oula, elle va être très mal répertoriée celle-là. Bon, en plus, c'est un jeu qui me tient à cœur, moi je veux pas. Je veux pas que la vidéo soit aussi clashée. Il n'y a pas de commentaires méchants par contre. Mais je veux pas que la vidéo soit aussi mal répertoriée sur ma chaîne. Enfin, sur notre chaîne à Fireflav et moi. Même si, bon, c'est vrai que maintenant c'est plutôt moi. Et donc, voilà, j'ai relancé la vidéo. Re-uploadé. Bon, depuis, voilà, elle est plutôt positive. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Et par contre, évidemment, il y a beaucoup moins de vues. Ah, c'est au détriment des vues. Mais bon. Il me semble que quand je l'avais uploadé, en un jour, elle avait que 20 ou 30 vues. Voilà. C'est autre chose des 1000 vues.
Mais au moins, j'avais quelque chose de plutôt neutre, propre. Et là, s'il y a un j'aime pas, c'est un vrai j'aime pas. Voilà. C'est pas juste quelqu'un qui a vu que j'ai fait de la pub sur Hooper.fr. Et voilà. Après, c'est la dernière fois que j'ai fait ce genre de bêtises. Et c'est vrai que j'étais allé un peu loin à cette époque-là. Je me suis rendu compte que c'était quand même stupide. Mais bon. Après, voilà, je suis quand même parti d'un bon pied. Après, j'ai pas mal discuté avec la communauté, d'autres choses, évidemment. Ça s'est mieux passé. Et voilà. Tout a repris son cours. Après, ça fait depuis 2016 que je ne suis plus sur le... Enfin, mi-2016 que j'ai quitté Hooper.fr et que j'y vais très 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 rarement maintenant. Bref, voilà, la fin de la grosse parenthèse est finie. Oula, c'est bizarre cette phrase. Enfin, grosse parenthèse terminée. Voilà. En tout cas, voilà, commençons. Alors, au début, sur la chaîne Oliver Fla, on avait fait des pseudo-tests. Alors, c'était des jeux sur lesquels on n'avait pas fini entièrement. Enfin, on n'avait pas fini entièrement le jeu. Mais bon, on voulait faire un test comme ça à l'arrache. C'était plutôt rigolo. Alors, Mario Kart Double Dash, par contre, c'est un jeu sur lequel je l'avais poncé à l'époque à Donf. Donc là, c'était quand même un jeu sur lequel je m'y connaissais un petit peu, un minimum. On pouvait faire un vidéo test un peu plus sérieux. Ça restait quand même assez loufoque. De toute façon, je vous montrerai ça dans la partie 3 de la vidéo. On commentera là-dessus. Ça sera plutôt drôle, je pense. GTA San Andreas en test, voilà, là vous voyez, il y a plutôt des tests sur des jeux assez classiques que pas mal de monde connaissent. Et premier let's play, alors premier let's play c'était The Legend of Zelda Twilight Princess, partie 1. Ouais, c'était le début, le commencement des let's play. Alors, attendez, par contre j'ai un doute, il y a d'autres vidéos que j'ai supprimées aussi, il me semble, ah quoique. Ah si. J'avais arrêté parce que j'avais. C'est ça, c'était Prince of Persia, les deux royaumes. Gameplay, j'avais juste montré un gameplay comme ça, donc avec une qualité exécrable. Qualité catastrophique! Parce qu'évidemment, à l'époque, c'était filmé avec la caméra de la 3DS sur une télé. Sur la télé directement, c'est compliqué. Et surtout que c'était une télé cathodique. Et donc, quand on filme avec une caméra sur une télé cathodique, ça fait l'effet. Comment on peut appeler ça? L'image qui clignote non-stop. C'est très désagréable, mais bon, on faisait avec. On faisait avec. Mais voilà, du coup, Prince of Persia et les deux royaumes, j'avais 10 parties en tout. 10 parties du gameplay. Ce qui est énorme. Et finalement, j'en ai mis que deux. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je ne voyais pas finalement l'intérêt. De continuer à poster ça. Parce que au final, quand j'ai vu qu'il y avait un Wolfrug, enfin il y avait un peu de tout hein, sur Prince of Persia, les deux royaumes, et que moi bah, c'était une catastrophe au niveau de la qualité, voilà. Même si j'avais un bon skill, parce que je connaissais très très bien le jeu à l'époque, maintenant j'ai un peu oublié, je vous l'avoue. Mais à l'époque, ouais, il y a 9 ans, j'avais eu ma période vraiment Prince of Persia, alors c'était surtout au collège. Mais voilà, je l'avais refait au lycée. Parce que j'étais au lycée en 2012. Voilà, c'est une série que j'appréciais énormément. Même si maintenant, vu qu'on n'en entend plus du tout parler, je n'y joue plus et je n'y ai plus rejoué depuis très longtemps à ces vieux Prince of Persia. Sauf, bon, il n'y a pas longtemps, on avait fait deux Prince of Persia en live. Voilà. Les Sables du Temps et les Warriors Within. Et d'ailleurs, les deux royaumes, je compte le faire en live, hein, un jour. Attention. Quand j'aurai la fibre. Mais bon. Ça sera dans quelques années. Peut-être jamais. Peut-être que je n'aurai jamais la fibre. Starlink, du coup. C'est la deuxième option. Fichtre. Enfin là, je serais vraiment au bout du rouleau si je ferais ça. Mais bon.
toute façon, je vous en ai parlé, je pense, dans la première partie, je pense que je vous en ai parlé, que voilà, les lives, ce n'est pas vraiment prévu, je vais pas faire de live, en tout cas en 2022, puisque je compte plutôt faire des vidéos tests. Mais bref, revenons sur les vidéos, là, directement, Prince of Persia, les deux royaumes. Et donc, bah, Crash Nitro Kart, test, on avait fait un petit test plutôt rigolo, je connaissais bien le jeu, je l'avais fini poncé à l'époque, ça y est, pas de soucis. FIFA 12, pareil, Fireflav, ça c'est un jeu de Fireflav, forcément. FIFA 12, bah, voilà. Il connaissait bien le jeu, et puis c'est un test qu'il a fait, je crois, que dans son coin. Tout seul dans son coin. Ouais, on faisait quelques fois des vidéos dans notre coin, même si on avait un peu de mal à l'époque, on préférait le faire à deux. Mais par la suite, en fait, c'est en se forçant, en faisant dans notre coin, que on a pris un peu d'expérience. Et que finalement, bah maintenant, je fais que des vidéos dans mon coin, quasiment. Hein. Tout seul. Comme là, par exemple. En tout cas, voilà, on avait fait un peu de tout, comme jeu, un Chicken Little Adventure Intergalactique. What? Oh oui, Fireflav avait fait ce jeu en étant tout petit, et là il a relancé comme ça, oh, on va faire ce jeu, tiens, j'avais de bons souvenirs, voilà, hop. Mais bon, il avait juste relancé comme ça, et il ne se souvenait plus de grand chose, hein, je pense. Ouais, c'était le jeu nostalgique. Et bref, voilà, et Twilight Princess, en fait, à l'époque... Je crois, pourtant c'était déjà, je pense que c'était déjà incorporé le terme let's play, pour en fait, let's play ça veut dire en gros, bah, jouons, allez jouons, un truc du genre, en anglais, mais ça veut surtout dire voilà, que c'est un format de vidéo, alors où l'on montre le jeu, et en même temps on commente. On est en train de jouer au jeu et on commente, on donne notre avis sur le jeu, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là, machin. Enfin, vous connaissez les let's play, c'est classique. Là, à l'époque, il y avait surtout des Wolfrug. Donc Wolfrug, c'est la même chose que les let's play, sauf que c'est que du gameplay, en fait. Donc, c'est comme Prince of Persia et de Royaume Gameplay. Mais nous, on n'appelait pas ça Wolfrug, on mettait juste gameplay. Plus simple. Mais Wolfrug, c'est en fait faire le jeu à 100%. Ce qu'on n'a pas fait pour Prince of Persia, faire le jeu à 100% et sans commentaire. Voilà, c'est que du gameplay. Après, voilà, il y a le speedrun où c'est faire le jeu à 100% le plus vite possible. Mais en 2012, quoique ici il y avait quand même de speed game déjà, donc c'était quand même bien. Il y avait quand même beaucoup de choses sur YouTube en 2012 déjà, donc c'est pour ça qu'on avait très peu de vues aussi. C'est que nous, on avait commencé avec... on a osé sortir des vidéos de cette qualité. Hein, cette qualité, au niveau de l'image, catastrophique. En 2012, et en 2012, déjà, il y avait beaucoup de youtubeurs qui avaient... un très bon format de vidéo. Ils faisaient déjà du HD ou du Full HD. Donc voilà, c'était un peu compliqué pour nous de rentrer dans le YouTube game. Qu'est-ce qu'il y a eu? Resident Evil 4, The Mercenaries. L'une de nos premières vidéos défi. Alors, on n'a pas appelé ça vidéo défi à l'époque, mais bon, voilà, c'est une vidéo comme ça, freestyle. On n'arrivait pas vraiment à classer les styles de vidéos avant. Donc voilà, on s'attendait pas à faire quelques vidéos défis par la suite. Là, c'était plus une vidéo pour le fun, ça, pour comme ça. C'est autre chose qu'un vidéo test. Donc voilà. Half-Life 2, partie 2, voilà, où je mettais juste. C'est vrai que là, c'était pas très clair. J'avais juste mis partie 2. Et j'ai pas renommé ça, bon, tant pis. Mais Half-Life 2, partie 2. Ouais, c'était aussi du gameplay, hein, comme Prince of Persia, il n'y a pas de commentaires. Surtout qu'à cette époque-là, je n'avais pas de micro. Et donc si je commentais, en fait, j'étais obligé de filmer avec la 3DS en même temps et de monter ça sur Movie Maker, donc c'était assez compliqué. Un peu n'importe quoi. Far Cry, du coup, par exemple, c'était aussi du gameplay, il n'y avait pas de commentaires.
Ouais, il y a des tests, Dragon Ball Z Budokai Test, partie 2. Mario Bros 1, Retro Test. C'était déjà un peu mieux, même si je trouve que je n'avais pas très bien commenté aussi. J'étais un peu dur avec le jeu, dans mes souvenirs. Et j'avais un peu de mal quand même à bien formuler mes phrases à cette époque-là. J'avais le début, là c'était la première année, c'était en 2012, fin 2012 pour Mario Bros 1, je pense. On avait vraiment enchaîné les vidéos par contre là. Il y avait des vidéos. Au tout début, hein, on faisait au moins 5-6 vidéos par semaine. C'était n'importe quoi. Hein. Après, c'était des vidéos de 10 minutes hein, généralement, parce que vu que la 3DS ne pouvait pas filmer plus de 10 minutes. Et qu'on n'avait pas encore de l'expérience pour pouvoir monter la vidéo avec Movie Maker et donc fractionner, faire plusieurs. Incorporer plusieurs vidéos de la 3DS, hop, pour en faire qu'une seule vidéo un peu plus longue. Ça, c'est que par la suite que j'ai fait ça. Mais voilà, au début, on était vraiment à l'arrache. On ne faisait pas de montage, il n'y avait pas vraiment d'intro au début. L'intro est arrivée un petit peu plus tard. Ouais, elle est arrivée là, Oliver Flav générique, il y a 8 ans, lorsque je clique dessus. Alors me voilà, c'est magnifique. Le 27 janvier 2013. Ok. Alors, on va voir notre intro en 2 secondes. Yeah. Le coq sportif, yeah, yeah. Placement de produit. Rocky. Yeah, je vais me faire striker, je vais fermer la vidéo direct. Ah, c'est bon. Bon. Voilà. C'est la vidéo. L'intro dont je vous parlais tout à l'heure. Déjà 37 minutes, 20 dieux, mais cette vidéo va durer extrêmement longtemps. Bon, c'est pas grave. C'est un fichtre, hein. Il n'y a pas vraiment de format. Une vidéo fichtre 9 ans. Voilà, fichtre quelque chose. De toute façon, il n'y a pas vraiment de limite. Ça se trouve, ça peut durer 3 heures, comme ça peut durer 1 heure. Il n'y a pas de limite, c'est... voilà. Ça part en freestyle. Et c'est ça qui est bon. C'est pour fêter l'année incroyable, 2021, cette année incroyable. Il s'est passé beaucoup de choses sur la chaîne YouTube. Non, en vrai, il n'y a pas eu grand-chose, c'est vrai que... cette année-là, c'était un peu compliqué. Sans jeu. J'en ai déjà parlé dans la première partie. Mais voilà, du coup, voilà notre premier générique. Tic et tac, Retro Test. Ah, d'ailleurs, ça, c'est assez comique. Quand on clique dessus. Alors, ouais, vous voyez, il y a quand même plutôt... c'est plutôt positif, hein. C'est assez étonnant. Mais c'est plutôt positif, quand même. Les gens sont assez cool, hein. Quand on n'a pas beaucoup de vues. On nous strike pas trop, quand même. Ça dépend. Mais généralement, on a plutôt eu de la chance. Et voilà, filmé avec une patate. Voilà, c'est magnifique. Voilà, j'adore ce commentaire. Ce commentaire va vraiment rester... D'ailleurs, j'ai pas mis un pouce vert, voilà, c'est bon. Je mets un pouce bleu quand même au bout de 8 ans. Hein. Il va voir le gars, le pouce bleu d'Oliver Flav, attention. 8 ans après, ça se trouve, le gars, il a plus de chaîne YouTube, il a clôturé son truc, son compte. Mais bref. Ça serait comique s'il répondait à ça. Hein. Parce qu'en plus, on peut voir les pouces bleus, je crois. Et on peut voir qui a fait le pouce bleu. C'est bizarre qu'on n'ait pas fait un pouce bleu, tiens, d'ailleurs. Plutôt rigolo comme... comme commenté. Balance-moi, Oliver. Mario Bros sur Wii a été un peu... Je mets le son un peu moins fort, quand même. Mario Bros sur Wii, on peut jouer simultanément ensemble à 4. Et on peut balancer... On comparait des jeux aussi, c'était un peu improbable. Donc, pour moi, la bonne vieille époque. C'est vrai que... maintenant, je fais plus des comparaisons comme ça. Et c'est vrai qu'avant, voilà, par exemple, là, je parlais de Mario Bros Wii, je comparais Mario Bros Wii à Tic et Tac sur NES. Voilà. Parce qu'on joue simultanément en même temps. Non. Mais je parle d'autres jeux de PC. Comme Far Cry. Ah, c'est totalement différent. Moi, j'arrive à te faire tourner Far Cry 3 sur mon PC, vous le savez, Oliver. Waouh. Moi, j'arrive seulement à tourner Far Cry 2, mais en graphisme faible. Et regardez ce petit bug, voilà, sympa. C'était aussi très passionnant, ces commentaires. On partait un peu trop en live, hein. Encore plus que maintenant, parce que c'est vrai que maintenant, quand même, je sors des fois des anecdotes dans les tests. Mais avant, c'était pire. Rassurez-vous, c'est mieux maintenant, c'est plus encadré quand même. Mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, voilà. C'était un test Tic et Tac, c'était magnifique.
Ah, il y a eu Far Cry Parody. Ah, ça, ça a fait un énorme bid. Alors, je ne sais plus à combien de pouces rouges ça en est maintenant. Attention, suspense. Ah non, que... ah non, bah ça va en fait. 2 j'aime et 0 j'aime pas. Bon. Bon, je sais pas, c'était un délire. Je m'étais tapé un délire à l'époque, mais bon, je me rends compte que c'est une vidéo tout pourrave. Bon, je vous invite quand même de la regarder, oui, vite fait. Hein, mais bon, j'ai essayé de faire une parodie de Far Cry et... en mettant des choses entre guillemets marrantes du jeu. Mais bon. Ça n'était pas palpitant, j'avais fait un petit... mais c'était mes débuts du montage, hein, quand je commençais à apprendre un petit peu comment monter des vidéos avec Movie Maker, avant Vegas Pro. Et donc à cette époque-là, voilà, j'étais tout fier et j'ai voulu faire un truc, un minimum professionnel, entre guillemets, avec un montage exceptionnel, et des fondus en noir, tout ça, des transitions. Alors j'étais à donf. Et au final, bah, ça fait très très kitsch en fait, les transitions, hein, je m'en rends compte. Maintenant, finalement, je fais juste des fondus. Ou alors des zooms, des fois, pour bien montrer dans les Super LoL Saga, par exemple. Mais bon, je ne fais plus trop de transitions. C'est bien d'en faire, mais pas trop. Sinon, ça fait trop... panorama. Voilà. Des photos que l'on montre dans la famille, photo familiale, avec... panoramique. Oula. Vous voyez, enfin bref, vous m'avez compris. On fait des transitions entre différentes photos, voilà, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Cet amateurisme. FIFA 06. Ah, premier test. Voilà, c'est une anecdote incroyable. Premier test avec un autre pote. Un pote du collège, cette fois-ci. Enfin, connu depuis le collège. Qui s'est nommé, alors, comme pseudo, lui qui n'est pas du tout, alors, c'est pas comme Firefly, où il est quand même un minimum, bon, on va dire, c'est pas un gros passionné, Firefly, de jeux vidéo, mais il s'y connaît un minimum, et il aime vraiment, par contre, Rome Total War. Voilà, c'est l'un de ces jeux fétiches que je vais en parler juste après, dont je vais en parler juste après. Mais voilà, par contre, mon autre pote, j'allais dire son nom, c'est magnifique. Je crois qu'on entend son nom quand même dans la vidéo, on s'est planté un moment. Ou lui m'a appelé par mon vrai nom. Bon, tant pis. Hein. De toute façon, vous pouvez deviner avec mon pseudo. Mais voilà. Il s'est trouvé un pseudo à l'arrache, comme ça. Alors, à la base, il voulait s'appeler Mr. X. Voilà, c'est tout bête, hein, parce que Mr. X... Monsieur X, voilà. On ne sait pas son vrai nom, tout simplement. Mais après, bah, il me semble que c'est dans New Super Mario Bros. Wii, deuxième vidéo que j'ai faite avec lui, que là, il s'est rendu compte, voilà, pendant la vidéo, il l'a dit. Bon, Mr. X, ça fait un petit peu porno. Du coup, je vais plutôt appeler ça Mr. Y, voilà, je vais plutôt m'appeler Mr. Y. Bon, si on veut. Et il me semble que New Super Mario Bros. Wii, c'était la dernière vidéo où il a paru... Enfin non, il avait fait aussi Pokémon. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, je lui avais montré Pokémon. Ah si, parce qu'il ne connaissait pas Pokémon. C'est une catastrophe. Il avait découvert Pokémon bah, grâce à moi. Mais quand même, ne pas connaître Pokémon au collège. Surtout à cette époque-là, c'est compliqué quand même. À l'époque, ton collège était quoi 2006, 2007, 2008 2008-2009. Cette époque-là. Il y avait déjà beaucoup de Pokémon, et c'est quand même très très connu. Surtout en primaire, avant, on n'arrêtait pas d'en parler avec les cartes Pokémon, tout ça. Fireflav, d'ailleurs, faisait sa collection. 20 dieux. Ça a changé, hein. Maintenant, on fait la collection des vidéos TikTok. Bon. Ah, pour les jeunes. Ça a bien changé. En tout cas, voilà, New Super Mario Bros. Wii, voilà, un test. Enfin, un test. C'était plus une vidéo pour le fun. Et un peu un défi, parce qu'on avait fait les niveaux les plus durs, je crois. Du monde neuf. Que j'ai un doute sur ce test-là, mais bon. Là, on va aller dessus pour voir vite fait. Même si c'est plus dans l'intro... photogénique, attention. Voilà. Mon jeu d'acteur qui était une catastrophe au début. Il est moins fort que vous, Mr. Y. En tout cas, dans ce jeu-là, parce que on n'a jamais joué ensemble, Fireflav et moi. Ah non, là, on a fait une fois, mais il faisait que de se planter, c'était pas très drôle.
Ah, il y avait son rire aussi. Il ne rigole plus comme ça maintenant, rassurez-vous. Catastrophe, c'est vrai qu'il avait son rire de chèvre. Bref, voilà. Ah bah tiens, The Legend of Zelda, Wind Waker, intro, 1 sur 2. Purée, j'étais allé assez loin au niveau de... Ah oui. Alors ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai appelé ça comme ça. C'était un délire aussi. Mais bref, pour en finir sur FIFA et de Super Mario Bros. Wii, voilà, c'était avec Mister Y que j'avais fait ces vidéos. Parce que je lui avais parlé de la chaîne, mais il ne connaissait pas du tout Firefly, à cette époque-là. Mais voilà, on avait fait quelques vidéos comme ça pour la chaîne, et surtout, regardez-moi ça, FIFA 06, il a 8600 vues, il a quand même, attendez si on va dessus. Bon, il y a beaucoup de j'aime pas. Ah, c'est kiff kiff. Bonne vidéo MDR. Ah merde. Bon, je vais cacher ça dans l'intro, dans le montage. Je vais cacher ça dans le montage. Il y avait le véritable nom de ce collaborateur. Mister Y. Bah, en tout cas, voilà, c'était sur FIFA 06. Et on avait énormément de vues, 8000... Bah là, ça s'est pas trop augmenté, mais on a eu 3000 vues très rapidement. Je ne sais plus en combien de temps, peut-être une semaine. On a eu 3000 vues. C'était plutôt pas mal. Alors, pour une chaîne de YouTube connue, c'est ridicule, hein, mais pour nous, c'était amazing. Et bah forcément, FIFA, c'est populaire, hein, même si c'est un très vieux FIFA, FIFA 06, sur GameCube. Le GameCube, entre parenthèses, c'est beau. Et puis, c'était pas vraiment un test, parce que bon, on a fait un match comme ça. Moi, je suis pas du tout FIFA. C'était plus Mister Y, voilà, lui c'est un passionné de FIFA, parce qu'il adore le foot. Et quand on avait fait FIFA, moi je m'attendais qu'il allait en parler comme il en parle habituellement avec moi, de façon assez approfondie. Hein, parce qu'il aime vraiment les FIFA à donf, il y a joué énormément en ligne sur PS4. Et en 2013, bah, il connaissait très bien les FIFA sur PS2. Mais voilà, moi je m'attendais que bah, qu'il soit à donf sur cette vidéo, et bien plus que dans une New Super Mario Bros. Wii, où là il ne commentait pas énormément non plus, c'était plus moi qui me meublais. Et l'autre vidéo sur Pokémon, où aussi il y avait quoi bah, c'est tout, Pokémon. Même si Pokémon, là, il était parti dans un délire... bon, c'était des blagues pipi-caca, à l'époque, ça nous faisait rire. Ouais, vous pouvez voir le best-of, hein, d'ailleurs. Je vous le conseille, ou peut-être pas, je ne sais pas. Si vous êtes immature, comme moi à l'époque, pourquoi pas. C'est vrai que maintenant, quand je regarde cette vidéo, j'en ai un petit peu honte. En tout cas, voilà, quand on avait fait FIFA, il n'était pas trop serein, et finalement, il ne commentait pas trop, donc c'était plus moi qui étais en train de commenter. Et forcément, moi, je suis un énorme noob dans le foot. Je dois connaître que 3-4 joueurs en tout. Sur les différentes générations, hein, carrément. De tout, hein, de tout le football, toutes les générations. Que 3 ou 4 joueurs, hein, les gars, c'est compliqué. Donc voilà, moi je suis un gros noob, ça m'a jamais vraiment intéressé, le sport. À part pratiquer un petit peu les sports individuels, mais par contre, les sports collectifs, ça n'a jamais été trop mon truc. Et donc je me suis dit, bah, ça va changer quand même, sur la chaîne YouTube, il va y avoir quand même du FIFA, donc au moins ça va un petit peu changer. Bon, il y a eu FIFA 13 de Firefly, et bon là, voilà, FIFA 06, pourquoi pas. Mais, Mister Y, on n'a pas trop commenté dans cette vidéo, il a été assez timide, et je m'y attendais pas. Mais en même temps, bah, après, je comprends maintenant, parce que, évidemment, au tout début, quand on n'est pas habitué à parler comme ça envers les viewers qui vont voir la vidéo, de commenter le jeu en question et de donner son avis, son avis sur le jeu, tout simplement. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y avait le Jackie Chan NES Retro Test. Alors bon, on va aller un peu plus vite après, hein, mais c'est vrai que j'ai pas mal d'anecdotes sur les premières vidéos. Surtout que les titres ne sont pas très parlants.
Parce que là, j'avais juste mis RetroTest partie 1, Jackie Chan's. Alors pourquoi j'ai mis deux parties? Parce que tout simplement, je voulais finir le jeu. Parce que le jeu est très très court. J'avais quasiment fini le jeu, mais j'ai perdu à la fin, donc tant pis. Et donc c'était plus un let's play qu'un test, hein, finalement. Une sorte de let's play, mais avec une défaite à la fin, c'est triste. Peut-être que je le referai, là. Peut-être. Je ne sais pas. C'était un très bon jeu, en tout cas. Un très bon jeu sur NES, très joli. Avec des hitbox, par contre, un peu hasardeuses. Sinon, voilà, Assassin's Creed 3, voilà, je crois que c'était le premier jeu PS... Ah, mais non, je dis des conneries, c'est pas le premier jeu PS3 qu'on a testé. C'était Silent Hill Homecoming, mais bon. Est-ce que c'était vraiment un test, Silent Hill Homecoming? C'était un peu une catastrophe. Par contre, le jeu en question, Silent Hill Homecoming, était plutôt pas mal, mais d'après les fans de Silent Hill, c'est le plus mauvais. Bon, nous, on était plutôt quand même contents. On l'a fini, hein, depuis. Bah d'ailleurs, il me semble que... Bah oui, on en avait fait un let's play. On avait commencé à partir à peu près de la moitié du jeu, là on était rendu. Et jusqu'à la fin. On avait fait en vidéo. Et bon, c'était pas non plus formidable, et bon, je vais pas vous mettre un lien dans la description, tout ça. Vous pouvez chercher si vous voulez, hein, si vous êtes curieux. En tout cas, voilà, Assassin's Creed 3, là c'était plus Firefly qui commentait, moi je ne connais pas du tout les Assassin's Creed, assez peu. Ça m'a jamais vraiment attiré, peut-être un peu le premier au début, de par sa DA. Mais au final, après, quand j'ai vu la jouabilité, bon, c'était pas trop mon truc. On est un peu trop pris par la main, je trouve. Et le Assassin's Creed 3, du coup, bah maintenant je l'ai sur Wii U. Et je l'ai eu gratos sur PC il y a pas longtemps. Grâce à... bon, enfin, plutôt à cause de ce malentendu, enfin, de ce qui s'est passé avec Notre-Dame. Cet incendie. Mais bref. Assassin's Creed 3, sur PS3, donc il avait fait un test assez... dans mes souvenirs, il s'était vraiment bien débrouillé, Fireflame. Il a vraiment donné son avis, il a fait un bon test, assez bien écrit. Assez bien commenté. Voilà, c'était un peu le début de... du renouveau de des tests de la chaîne, si je puis dire, un peu plus professionnel. Bon, Rayman 1, on est un peu reparti en cacahuète, parce que c'était plus moi qui faisais le test du jeu. Et à cette époque-là, il y a 8 ans encore, j'avais quand même un peu pas assez d'expérience. Et voilà, pour être un minimum sérieux, pour donner vraiment mon impression sur le jeu. Ah, c'est plutôt Final Fantasy X. Ce test-là, là, j'étais assez complet quand même, dans mes souvenirs. Peut-être qu'aujourd'hui, si tu le regardais, ouais, je pense que je trouverais ça pas fantastique, mais c'était quand même un petit peu mieux. Et voilà, et The Legend of Zelda, alors, ah si, Tic et Tac NES en entier, bah, ça, c'est une sorte de speedrun, hein, j'avais pas appelé ça un speedrun à l'époque. Tic et Tac NES en entier, bon, c'est... je faisais le jeu Tic et Tac NES en... le plus rapidement possible. Le problème, c'est que j'avais fail à un moment donné dans la vidéo, et j'ai essayé de cacher ça en faisant une sorte de petite transition, hop, un fondu comme le fait le jeu quand on change de tableau. Quand on change de tableau, dans les niveaux, il y a plusieurs tableaux, et donc quand on change une section d'un niveau, quand on passe d'une section à une autre, et ben y a une espèce de fondu en noir. Donc j'ai essayé de faire ce fondu en noir, sauf que j'ai été pris en flagrant délit, je pense, parce qu'il y a pas mal de pouces rouges à ce niveau-là. J'ai été pris en flagrant délit parce que, eh bien, à la fin du fondu, on voit, alors je sais pas si c'est Tic ou Tac que l'on contrôle, je crois que c'est Tic, on voit Tic, Chip and Dale, en anglais, on voit Chip qui clignote, parce qu'en fait, il vient de tomber dans un trou avant, parce que je venais de fail. Et j'ai enlevé ce passage-là, et donc on le voit quand même clignoter. Ok, bon. Pris en flagrant délit, mais bon. Au moins, j'ai pas appelé ça, hein, j'ai juste mis Tic et Tac NES en entier, donc au moins, c'est sûr, c'est vraiment Tic et Tac NES en entier. Mais c'est pas, par contre, un speedrun. Il y a de la triche. C'est pas bien. Il y a eu un petit fail vers la fin. Sinon, voilà, The Legend of Zelda Wind Waker. Partie intro, 1 sur 2. Alors, ouais, c'est vrai que... j'appelais ça avant des vidéos parties, hein. Voilà, faut le savoir. C'était pas des let's play, c'était des vidéos parties. Donc Zelda Wind Waker partie 1.
la partie intro. Alors partie intro parce qu'en fait dans les Zelda, au tout début Twilight Princess, je voulais juste faire un let's play comme ça de tout le jeu. Et finalement après m'est venue une idée. Alors évidemment je me suis inspiré fortement de Hooper. Parce que Hooper c'était à cette époque là où il faisait ses vidéos sur The Legend of Zelda Skyward Sword. Et sur Skyward Sword il faisait des vidéos où c'était une sorte de vidéo défi. Où il faisait un donjon, voilà, donc il avait commencé par le donjon du feu, dans mes souvenirs. Ouais, il avait pas fait le premier donjon il avait fait dans son coin. Et c'est à partir du donjon du feu qu'il a fait tous les donjons en vidéo. Bon, je me suis dit, ah bah pourquoi pas faire de même, mais aussi de montrer juste l'introduction du jeu au tout début, de faire deux petites parties, pour faire l'intro du jeu. Donc deux parties de let's play où l'on commence le jeu. Et puis, juste après, la troisième partie, ça sera le début du premier donjon. Voilà, parce que je ne comptais pas faire tout le jeu, parce que ça prenait trop de temps. Je ne voulais pas... Et puis aussi, le fait que je me disais, bah, à l'époque, c'était pas forcément palpitant de suivre un let's play de Wind Waker en entier, où l'on navigue, où l'on vogue d'île en île. Bon, c'est assez ironique parce que dans la première partie de cette vidéo, je vous montre en fond, enfin on est sur The Legend of Zelda Wind Waker, c'est magnifique. Mais bref, passons. Et voilà, j'avais envie de faire ça à l'époque. Et j'avais fait carrément une intro, je crois, on voit dessus. Une intro pour ces vidéos, dédiée à ces vidéos. Firefly. Voilà, c'était un délire, j'avais mis Firefly parce que voilà, il a une tête ridicule du coup. Pour... Je sais pas. J'avais envie de mettre ça. Voilà, c'est Firefly, ce bonhomme. Bon. Voilà, Skyward Sword. Parce que voilà, j'avais prévu de faire tout... Enfin, pas mal de Zelda. Et Twilight Princess. Sur l'île voilà, paisible. C'était l'introduction de ces let's play un peu particuliers des Zelda. Qui n'a cessé d'évoluer, cette intro, parce que ça a quand même continué. J'avais fait tout de Wind Waker, comme ça. Alors là, c'était filmé avec la caméra de la 3DS. Sauf que là, vous voyez que... Attends, je vais... Où il se passe que de choses dramatiques, je crois que c'est ce que je dis. Au début. Sur l'île paisible, l'île de l'horreur, où il se passe que des choses dramatiques. Ah, c'est magnifique. ça reste, hein, ce genre de phrase. Phrase culte. Mais donc voilà, Là, j'avais un peu plus d'expérience, et puis surtout, je parlais, parce que... Je vous ai pas dit, mais on essayait avec Firefly de faire des personnages, c'était complètement foiré évidemment, de faire des voix un peu particulières pour finalement, Firefly et Oliver Plasma, ce sont des personnages, un peu comme voilà, Bob Lennon le fait depuis si longtemps, de parler un peu de manière enjouée, comme ça, tout le temps. Et ben nous on a voulu faire des grosses voix, voilà. Des grosses voix, comme ça, rigolotes. Faire des voix un peu cartoonesques. Alors, à la base, c'était plus Fireflav qui se disait bah, « Pourquoi pas parler comme ça ?» Moi, j'avais complètement voilà, repris son idée. Et finalement, voilà, bah, là, je vais vous mettre un peu de son. Quand tu étais là. Bon, j'ai pas mis au bon moment. Qui fait vraiment enfantin, qui fait dessin animé. Voilà, là, je parle de manière normale, voilà. Enfin, je parle normalement. Naturellement. Et donc, c'est à partir à peu près de ces vidéos-là, ou peut-être un petit peu avant, tout petit peu avant, où j'ai commencé à parler un peu... plus naturellement, parce que je me suis dit, bah, c'est un peu ridicule de prendre cette voix. Cette voix un peu en mode parle le Caïd, mais une fusion entre parle le Caïd et Firefly. Voilà. Vaut mieux parler naturellement, finalement, parce que c'était un peu ridicule. Hein, sauf si, évidemment, on double un personnage. Là, c'est autre chose, mais... De tout le temps parler comme ça, en faisant des tests, en donnant notre avis sur tel jeu, et en parlant toujours de cette manière, ça donnait la chose un peu... gênante. Bref, c'est vraiment à partir de 2013 à peu près que j'ai changé un petit peu ça. Et donc c'était... Enfin, même dans Final Fantasy X, par exemple, je crois que je parlais normalement. D'ailleurs, il y avait une apparition de mon frère, je crois, dans Final Fantasy X, qui lui est pas du tout jeu vidéo. C'est un grand sportif. Et
champion de badminton d'ailleurs. Et à l'époque, voilà, quelques fois, il faisait quelques apparitions comme ça. Bon, c'était imprévu, pas du tout prévu. Et il faisait des petites apparitions, et puis à un moment, je crois, alors que c'est peut-être dans... C'est dans une vidéo plus tard, c'est dans la vidéo sur Dracula, je me souviens, Dracula X. Shino Rondo, Rondo of Blood, enfin sur, sur PC Engine. Et sur PC Engine, si on la prononce à l'anglaise. Et en tout cas, voilà, c'est sur cette vidéo-là qu'il avait sorti une phrase du genre « Ouais, mais de toute façon, Oliver Plasma, c'est un gros geek. Il fait que de geeker, ou je ne sais plus quoi. » Enfin, il s'est moqué un petit peu comme ça, mais pour rigoler, voilà. Et alors, attendez. C'était à quel moment? Parce que je vais remettre ce passage, et ça m'avait un peu choqué, parce que... Enfin, ça m'avait un peu surpris, parce qu'en réécoutant cette vidéo, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais plus pourquoi. Mais en fait, il avait une voix bizarre. Il avait une voix, bah, d'enfant. Salut, c'est Et c'est vrai que sans s'en rendre compte, mais bah, moi, dès ma première vidéo, en 2012, bon, j'avais déjà à peu près cette voix-là. Pas trop... pas vraiment véritablement muet, parce que j'ai jamais eu une voix vraiment trop aiguë, on va dire. Fireflab et Oliver Plasma. Salut Oliver. Salut. Et juste Dracula X. Voilà, là, on m'entend parler, j'ai un peu la même voix maintenant. Je sais pas pourquoi il s'appelle pas Castlevania 5. Mais bon, franchement, c'est juste que j'étais moins... J'étais 5, un peu timide, par contre, à cette époque-là. Donc, comme vous voyez, je suis rendu à 98%. Un peu pas serein. Je peux vous montrer la fin du jeu. Ce serait un peu trop de spoil pour nous, téléspectateurs. Il avait souvent du mal à dire, ouais, cher c'est que téléspectateur. Au début, on a le choix entre les stages. C'était rigolo. Et attendez. Est-ce que je vais trouver ce moment? C'était quand j'étais contre le boss, contre la mort. On va trouver ce passage-là, ça va être rigolo. Alors que maintenant, évidemment, il est... Ah voilà, on l'entend parler là. On reconnaît pas du tout sa voix. Alors je vous rappelle que si vous voulez faire partie du Fire Club, vous êtes admis. Tout de suite, car pour l'instant il n'y a aucun membre, sauf moi. Je me sens un peu seul. Ah, il y avait mon frère et ma soeur qui nous regardaient derrière et puis mon frère avait parlé, voilà, un petit peu. Comme ça, juste pour le fun. Bon. Petite anecdote à deux balles. Et puis à l'époque, on faisait pas trop de montage, donc même à cette époque-là, c'est... Ouais, on faisait pas vraiment de montage, là, et on filmait avec la caméra de Firefly. C'était un petit peu mieux au niveau de la qualité, du coup. Mais voilà. Donc je pouvais pas couper ce genre de séquence. Vain Dieu. Et bon, voilà, c'est plutôt rigolo. Par contre, il n'avait pas du tout la même voix. Hein. C'est... Purée. Alors, je m'en suis pas du tout rendu compte à l'époque, évidemment. On s'en rend pas compte. Quand on vit quotidiennement avec telle personne, on ne se rend pas compte que telle personne avant avait vraiment une voix. Je vais le dire très clairement, très clash. Une voix un peu de fillette. Et voilà. Ah tiens, il y a aussi Indiana Jones et le tombeau de l'Empereur, alors ça a duré des années ce jeu-là, purée, 20 lieux. Elle n'avait pas pu avancer de façon très rapide. Un peu comme Far Cry d'ailleurs, Far Cry partie 11, ça faisait longtemps, ça faisait un an. 20 lieux. J'arrête pas de dire cette expression. Far Cry 3 gameplay, ah oui j'avais montré un peu de gameplay de Far Cry 3. Attendez, c'est étonnant ça, je me souviens même plus. Ah si, le début. Ah, le début. Sauf que c'était que du gameplay. Et puis surtout que, ouais, pour l'anecdote, à l'époque, là, ça tournait sur mon PC HP. Hein. Ah, PC HP familial. Donc c'était assez incroyable que le jeu tourne dessus. Avec une petite GT620 et un processeur i5 3330p, c'était pas trop mal, un processeur que j'ai toujours, que j'ai récupéré, en fait. Du PCHP, de toute façon le PCHP ne marchait plus vraiment, mais le processeur était toujours intact, donc j'ai récupéré le processeur en question pour en faire un mini PC. Maintenant, il n'y a pas si longtemps que ça.
Putain, un mini PC. C'est assez compliqué. Avant, c'était pour mon PC gamer, et maintenant, c'est pour un mini PC. Ce processeur en a vécu des choses. 20 dieux. Il marche encore, c'est incroyable. Il va fêter ses... Ah bah là, déjà. Il va fêter ses 8 ans, c'est beau. En tout cas, voilà, regardez, ça tournait plutôt bien. C'était entre 25 et 30 FPS. Bon, à l'époque, j'étais content. Hein. 720p. Et tout en minimum. Donc en gros, c'est la version PS3 360, quoi. J'étais content. C'était d'ailleurs incroyable que le jeu puisse tourner sur une petite bécane. Vraiment pas faite pour le gaming, PC HP. Pourtant, ça tournait dessus, incroyable. Parce que voilà, on avait une carte graphique, GT600. C'était un peu... c'était pas trop mal, j'avais fait Tomb Raider 2013 aussi dessus. Et voilà. C'était un peu la découverte de la next-gen à cette époque. Voilà, la découverte des jeux HD chez moi, incroyable. Et pour en revenir là-dessus, c'est que, en fait, sur PC, je ne pouvais pas très rarement commenter. Ou alors quelquefois quand il y avait Fireflame, mais je pouvais pas commenter tout seul, parce que en fait, le PC était dans le salon. Voilà. Bon, vous devinez forcément pourquoi je ne pouvais pas commenter. Dans le salon, ce n'est pas dans la chambre. Hein. On n'était jamais tranquille. C'est pour ça que toutes les vidéos sur PC, généralement, c'était que du gameplay. Alors voilà, Sonic Adventure DX, partie 6-6, fin plus montage, ouais, j'étais content, j'avais utilisé un logiciel de montage que j'avais découvert à l'époque, je sais même plus son nom. C'était les prémices avant Vegas Pro, mais il pouvait faire déjà pas mal de choses. Hein. Il n'était pas aussi complet que Vegas Pro, mais il était quand même beaucoup plus complet que Movie Maker, et c'était une version gratuite, mais à durée limitée. Donc c'est comme si j'avais la version payante, mais voilà, pendant... c'était que pendant une semaine, voilà. Comme le font la plupart des logiciels, hein, je vous le dirais. Ah, et plus tard, j'avais fait un test sur Far Cry 3. Voilà, là, j'avais pu avoir le temps de commenter. Voilà, Pokémon. Là, on avait fait un test sur Pokémon Colosseum avec Fireflame. Parce qu'à la base, je voulais faire un test... Ah bah, il est là, d'ailleurs. Best of Pokémon Colosseum et New Super Mario Bros. Wii. C'était avec Mister Y. Le fameux. Et finalement, j'ai trouvé ça, bon, ça partait trop en live, et puis avec nos blagues pipi caca, ce n'était pas génial. Donc j'ai plutôt mis ça dans un best-of. Et on a refait la vidéo avec Fireflame, voilà, pour que ça soit un test un peu plus convaincant. Un peu plus professionnel, attention. Donc voilà, là, The Legend of Zelda, on a toujours continué Zelda. Best-of, 2012-2013. C'est vrai que parce qu'il y avait pas mal de vidéos que j'ai trouvées marrantes. Et c'est vrai qu'il y a des moments vraiment rigolos, même en la regardant maintenant. Hein, si vous faites abstraction de la qualité de la vidéo, qualité visuelle, c'est avec la caméra, eh bien, à part ça, les commentaires sont plutôt rigolos, plutôt fun. Et c'est vrai que maintenant, j'ai plus de mal à faire... Je ne vois pas trop faire un best-of, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de moments où c'est vraiment drôle. Des moments un peu cocasses, un peu comiques. C'est vrai que ça se fait plus rarement maintenant. Hein. Ça veut pas forcément dire que c'est moins bien. Mais c'est autre chose. J'ai pris une autre direction, voilà. On va dire. Dans mon commentary. Rétro-test Castlevania 1. Purée, déjà 7 ans, purée. Pourtant, j'avais bien préparé ce rétro-test. Hein. J'avais fait plusieurs prises, je m'en souviens. Alors que Symphony of the Night, 45 minutes, bon, je l'ai pas trop préparé celui-là par contre. Castlevania 3, pas trop non plus. C'était surtout le 1 que j'avais vraiment... fallait vraiment... Vu que c'était le premier Castlevania, fallait vraiment que j'introduise le truc. Que j'explique ce qu'est un Castlevania à peu près, les premiers en tout cas. The Legend of Zelda, Wind Waker, comme d'habitude. Après voilà mon let's play, premier let's play de Noël. Le let's play de Noël, voilà, c'était la grosse surprise, là c'est avec Rayman. Et pour le let's play de Noël, c'était aussi le premier let's play qui avait une intro. Une intro assez originale pour le let's play.
avec Cinéma 4D. Eh oui, attention, j'étais dans le turfu à cette époque. J'étais dans le turfu. Ah, et même encore aujourd'hui, je la trouve stylée, cette intro. Yeah, yeah. Avec la musique. La musique, c'est juste... comment ça s'appelle? C'est symphonie? Non, comment elle s'appelle, la musique? Ah, je sais plus. Peut-être que je l'ai mise. Harmonie, symphonie, je ne sais plus trop. Mais voilà. Puis là, j'avais fait... j'avais fait sur PC. Pour pouvoir capturer. Donc c'est un émulateur PSX, il me semble, l'émulateur sur PC. Pour émuler les jeux PS1. Parce que j'ai le jeu en vrai. Attention, je la copie. Ce qui est assez rare, parce que j'avoue que quand je faisais des jeux sur émulateur, j'avais pas forcément la copie. Les jeux Super NES, bon, je n'ai pas de Super NES. Il ne faut pas le dire. Bon, en tout cas, voilà. La PS1, par contre, voilà. Je crois que c'est le seul jeu PS1 que j'ai fait. Même aujourd'hui, j'en ai pas fait d'autres. Rayman 1, et lui, par contre, je l'ai en vrai. Attention. Bah d'ailleurs, on en avait fait un vidéo test directement sur la télé de Firefly. Voilà. Rayman 1. Jeu culte, évidemment. Je sais pas trop vous en dire. Mais j'ai un peu pété un câble vers la fin de ce let's play qui avait pris un peu son temps. Parce que voilà, le jeu est très très dur. Donc j'avais sorti un peu d'injures vers la fin, j'étais un peu énervé. Et pour l'anecdote, pour que ça aille plus vite, j'avais fait par la suite sur un ordi portable. Pour pouvoir le faire dans ma chambre, pour pouvoir vraiment avancer dans le let's play. Voilà. C'était compliqué. Mais au début j'avais fait sur le PC fixe, le PC HP. Enfin voilà, donc là, hop, Super Mario Bros 3, j'avais fait une sorte de speedrun. Monde 1 et Monde 8, et j'avais fait tout le jeu, donc en 20 minutes. Très bien. Mais j'avais pas vraiment appelé ça un speedrun, parce que... ce n'est pas non plus un temps exceptionnel. 20 minutes, c'est pas beaucoup, mais ça reste quand même... Ah, Retro Test, là j'avais... Ça reste quand même assez conventionnel, on va dire. Retro Test Goal, voilà, là c'était la période où j'avais fait beaucoup de Retro Test. Retro Test Dr Mario. Il y avait un autre rétro-test, je pense, après. Non. Là, pourtant, j'avais de souvenirs. Il n'y avait pas Marble Madness. Il est où? Bon, il est quelque part. Il y avait Marble Madness. Ça se trouve, il a été supprimé par YouTube. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne le trouve pas. Je suis aveugle. Ah, il est peut-être en dessous. Enfin, il y a rétro-test Castlevania, déjà. Il y avait une période où j'ai fait pas mal de rétro-test. C'était pas mal. Ça fait longtemps que j'ai pas fait vraiment de rétro-test. Hein. À part les Schtroumpfs, dernièrement. Sinon, j'en fais très 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 rarement. Mais rassurez-vous, hein, c'est quand même toujours dans les bacs. Hein. Je compte en faire. Il y a beaucoup de jeux que j'ai envie de vous montrer, de très vieux jeux. Vidéotest Luigi's Mansion est la première vidéotest avec ma sœur. Et oui, donc c'était avec Fireflab et ma sœur. Parce qu'évidemment, si je fais un vidéotest sur Luigi's Mansion, il faut forcément que j'appelle ma sœur. Hein. Que j'avais appelé Caroline. On n'avait pas d'idée pour son pseudo. Et d'ailleurs, qu'on n'entendait pas assez dans la vidéo, c'était assez dommage, mais elle commentait plutôt bien, elle se débrouillait bien pour sa première fois. Et surtout, bah, elle en est énormément fan, c'est son jeu préféré, donc voilà, forcément. Et elle est quand même plus jeu vidéo, pas autant que moi. On va dire que c'est entre les deux, c'est entre mon frère et moi. Et bon, surtout maintenant, c'est une grande fan de manga. Là, par contre, c'est vraiment... c'est une passionnée de manga et d'anime. Vous ne pourrez jamais l'induire en erreur. Et là, The Legend of Zelda, Wind Waker, Temple de la Terre. Ah oui, c'est vrai que j'avais... j'avais pas fini, en fait, Wind Waker. Et donc là, j'avais continué des années après. Un ou deux ans après, plutôt, ouais. J'avais continué du coup le Let's Play de The Legend of Zelda, enfin, faut être patient avec moi. Puisqu'en fait je pars dans tous les sens, on fait plein de vidéos à droite à gauche, et donc finalement bah, je ne finis pas mes Let's Play, c'est ça le problème. Hop, et là, quand je vais dessus, vous allez voir, magie, la magie va opérer. Et oui, qualité exceptionnelle, on peut mettre en plein écran sans avoir mal aux yeux. Car
C'est la première fois que je capture avec un boîtier d'acquisition. Et ça, c'est bon. Là, j'étais vraiment content. C'était, j'avais acheté ça pour Noël. C'était un très beau cadeau de Noël. Enfin, je pouvais faire des vidéos un minimum qualitatives. Et ça, c'est beau. Et du coup, bah, pour ça aussi, pour fêter ça, bah, j'ai fait une nouvelle intro avec les trois jeux Skyward Sword, Twilight Princess et Wind Waker. Voilà. Bon, notre logo était très flou, par contre. Bon, depuis... quand il y a notre logo, c'est beaucoup plus net. Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour une vidéo dans... Hop. Et là, voilà. Alors, j'avais ce problème 4 tiers, par contre, avec les bandes noires, ça, c'était voilà. Le début. On est parti pour le donjon... Que finalement, je préfère laisser maintenant aussi les bandes noires, parce qu'au final, ça étire trop l'image, c'est pas très beau. Il y avait une période où j'ai tiré à chaque fois l'image, mais c'était pas génial à chaque fois. Ah voilà, vous avez une qualité plutôt... c'est acceptable, hein. Bon, c'est du 480p, hein. Je pouvais pas faire du HD non plus. Parce que c'était un boîtier d'acquisition, c'est le... Très exactement, je l'ai encore ce boîtier. C'est l'Avermedia Game Capture HD1. Très exactement. Et je pouvais du coup capturer... jusqu'en 1080i théoriquement, mais c'était pas génial le 1080i, et 720p, sauf que bah, sur des jeux comme sur GameCube, c'est du 480p à la base sur GameCube. Bah tiens, je parle d'ailleurs de mon nouveau boîtier d'acquisition là, parce que je suis trop content. Je suis trop content, j'étais comme un ghost. C'est moins flou. Enfin, c'est même plus du tout flou, j'ai l'impression, donc... Là, c'était une bonne qualité. Hein. Parce que c'est branché avec... Enfin, même ça reste une bonne qualité actuellement. Hein. Bon, c'est un peu voilà. Pixelisé, parce qu'il y a la compression YouTube, évidemment. C'est sympa, ça. Un peu comme moi, mais voilà, c'était quand même plutôt sympa. Et après, je pouvais quand même me mettre en 720p. Le problème, c'est que voilà, sur des jeux comme ce Zelda, ou les jeux de GameCube, oui, qui ne sont pas évidemment pas HD, et bah c'est du 480p d'office. Mais par la suite j'avais fait, en faisant des montages sur, parce que là à cette époque là j'avais Vegas Pro, là. Enfin j'avais Vegas Pro version 12 il me semble, ou 13, et donc c'est pour ça que j'avais fait le montage, c'était avec Vegas Pro. Et il y a aussi, on va aussi vous faire des jeux de PS2, hein. Comment dire, et, hein, de ce niveau, comme ça elle peut voler. Tac, tac, tac. Il y avait aussi un ending, il me semble. Quoique. Ah non, j'ai pas fait un ending là. 1h40 de vidéo, 20 dieux. Enfin, c'était très très long. Hein. Je faisais tout le donjon d'un coup. Et puis bon. J'uploadais. Ben, j'allais pas très vite au niveau de l'upload, mais encore ça passait. La DSL avant c'était plus rapide. C'est bizarre. Hein. Maintenant ça a régressé. Depuis qu'on parle de la fibre, la DSL c'est une catastrophe. Mais avant qu'on parlait réellement de la fibre, en 2014, là, eh bien, la DSL, c'était pas trop mal. Hein. On pouvait, et puis on avait une vitesse de connexion plutôt correcte, qui ne déconnait pas trop. Après aussi, c'est le fait aussi, c'est le voisinage. Hein, il y avait de plus en plus d'habitants dans notre petit village, et donc forcément aussi, ça jouait sur la connexion. Mais voilà, cette époque-là, en 2014... On avait une connexion pas trop déconnante. Voilà. La bonne vieille époque. Maintenant, c'est une catastrophe. Même chez moi, maintenant, c'est pas fou. Et la preuve, je ne peux pas faire de live. Hein, très clairement. Ou alors, quelques fois, quand ça passe, mais... C'est trop approximatif. Et du coup, voilà, bah, je pouvais uploader des vidéos vraiment de 1h40. Une vidéo en 480p, c'était pas HD, là. Mais par la suite, j'ai fait en HD sur GameCube et Wii, malgré tout, avec le Game Capture. Parce que je me rendais compte que finalement, bah, ça rendait un peu mieux. Bon, c'était pas non plus le perfect, mais ça rendait mieux. Et c'était en Péritel, pas en Péritel, c'était en câble Youve. C'était pas... le boîtier en question n'avait pas de port HDMI. C'est que par la suite, que j'ai acheté le Game Capture HD 2,
avec mes petits sous et Game Capture HD 2. Bah là, par contre, j'avais accès au 720p, mais un réel 720p avec un port HDMI, câble HDMI. Donc là, on avait vraiment du HD. Mais bon, ça s'est arrivé bien plus tard. Et voilà, Beyond Good and Evil aussi, j'avais fait une intro assez originale. 2014. Voilà. Je vais me remettre au début. D'ailleurs, je pense que je vais mettre dans la description. Hein, parce que ça, c'est plutôt... plutôt pas mal, je pense, de mettre ça dans la description pour le fichtre 9 ans de la vidéo. Voilà, je vais mettre dans la description les différentes intros que j'avais faites, enfin, parce que bon, j'étais très content de mes intros. Je le fais toujours, j'aime bien bon, mes petites intros. Elles sont un peu longues, par contre, j'avoue, j'ai un peu abusé au niveau de la longueur, là, c'est 1 minute 30 quasiment. Mais voilà, il y a eu de l'idée, et là, bah, je m'étais amusé avec le logiciel Cinema 4D, j'avais ma période Cinema 4D, voilà. J'ai fait ça. Avec le PC HP, vain Dieu, et c'était compliqué. Le PC HP, il avait du mal avec ce logiciel, hein, ce qui est logique. Ça demandait énormément de ressources. Mais le processeur s'en tirait plutôt bien quand même. C'est un processeur i5, donc ça restait un processeur pas trop mal. Même si ce n'était pas un K, voilà. Le processeur i5 se terminant par un K, c'est bien mieux. Là, c'était pas un 3330p. C'était pas un truc gaming. Mais voilà, c'est quand même un truc à 4 cœurs, donc c'était pas trop mal, ça calculait bien. Et j'avais pu faire ce genre d'intro grâce à ce PC. Voilà. Plutôt sympa. Une intro un peu du même style que Rayman. Et dans un tout autre registre, et j'avais trouvé... D'ailleurs, j'avais trouvé une idée assez originale. C'est voilà, la transition entre... les images, voilà, quand la caméra se met sur une image en particulier qui entoure la GameCube, eh bien cette image s'anime. Ça devient une vidéo. Voilà, j'avais eu comme ça une idée assez incroyable, sans vouloir me vanter. Et voilà, hop. Avec des transitions que je faisais avec Movie Maker. Parce que je n'avais pas... J'avais Vegas Pro à cette époque-là quand même, déjà, la version craquée. Maintenant, j'ai la version officielle que j'ai achetée, hein, Vegas Pro 16. Mais avant, oui, je n'avais pas de thunes, j'allais pas payer 250 balles dans un logiciel, les gars. C'était compliqué. Déjà, les 130 euros du boîtier d'acquisition... Enfin, à cette époque-là, c'était 100 euros, le boîtier d'acquisition Game Capture HD. C'était une somme. Hein, je n'avais pas de boulot à l'époque. C'était mon argent de poche. C'était, pour moi, c'était vraiment la limite. Mais bref. Et du coup, j'avais quand même Vegas Pro, la version craquée, mais je n'arrivais pas à faire des transitions avec des fondus comme ça, avec Vegas Pro. Bon, maintenant, évidemment, j'arrive à le faire. Mais avant, je n'arrivais pas du tout à le faire, et j'arrivais à le faire avec Movie Maker. Donc j'avais fait ça avec Movie Maker. Bon. Voilà pour la petite anecdote. La transition sur les différentes images, et c'est un jeu qui compte énormément pour moi, qui compte beaucoup. C'est un de mes jeux préférés. Si ce n'est le Zelda-like, mon Zelda-like préféré. Même plus qu'un Zelda, j'ose le dire. Pourtant j'adore vraiment la série des Zelda. J'adore cette licence. Et Beyond Good and Evil pour moi, je ne sais pas pourquoi, c'est au-dessus. Il y a quelque chose, il y a une magie enivrante. Ce jeu... Je n'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots pour décrire cette œuvre qu'a créé Michel Ancel. Et il a vraiment... il fait vraiment partie de mon enfance. Enfin, bon, comme les Zelda, mais... Beyond Good and Evil, c'est une période particulière de mon enfance. Et je vais vous dévoiler quelque chose, je l'ai refait il n'y a pas longtemps dans sa version HD sur PS3. Voilà. Et c'est toujours un jeu exceptionnel pour moi. Même si il est un peu plus simple qu'un Zelda au niveau des énigmes,
c'est moins travaillé à ce niveau-là. Eh bien, il y a le reste, il y a toutes les autres idées, le fait que le jeu, il mélange plusieurs styles de gameplay, plusieurs styles de jeu. Infiltration, course, et aventure. Zelda-like, avant tout. Mais bref. Et puis l'histoire, sans compter l'histoire, on s'attache fortement, principalement à trois personnages dans le jeu. Mais bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'un test va bientôt arriver sur ce jeu-là. On ne sait pas quand, mais il arrivera. Et j'avais fait un let's play à l'époque. Et donc Sonic Adventure 2 Battle, un let's play aussi, pareil, hop, on va dessus, il y a l'intro. Yeah. Et donc oui, je m'étais coupé avant. Ah, il y a pas l'intro là? Ah si, voilà. T'es intro? Yeah, yeah. Ah, 2014, c'était vraiment l'année où il y a eu l'explosion, hein, niveau contenu, de bon contenu en plus. Avec le nouveau boîtier d'acquisition, j'étais à donf. J'avais vraiment la motivation pour faire beaucoup de vidéos. C'était un peu la meilleure époque, hein, j'ai envie de dire. Pour les let's play. J'étais à donf. C'est vrai qu'après, j'ai fait des let's play un peu moins palpitants. J'étais un peu moins dedans et je pense que ça s'est ressenti. Et puis bah, ça fait un moment que j'ai arrêté les let's play. J'en fais de temps en temps, il y a eu les lives qui ont un peu remplacé les let's play en 2020. Mais c'est vrai que... voilà. Là, j'étais content, on pouvait faire ça avec Vegas Pro. Alors, on peut toujours le faire. Incorporer une image sur une vidéo. Alors là, j'ai incorporé plutôt deux vidéos. Sur une seule. C'est un peu spécial. Donc il y avait cet effet de transparence. Et voilà, partie 1 avec des éclairs, tout ça, là, j'étais à donf. Hein. En 2014, j'étais trop content. Mon nouveau boîtier. En plus, j'avais un peu plus d'expérience sur le logiciel Vegas Pro. Et en plus de ça, j'avais surtout une meilleure qualité avec oui, le boîtier d'acquisition. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Cinéma 4D, voilà. Les intros avec Cinéma 4D, je m'étais un peu formé sur Cinéma 4D pour faire des petites choses sympathiques. Après, c'était des petites choses, c'était pas non plus des modélisations en 3D, tout ça, mais des petites choses marrantes. Voilà. Où j'ai pu faire des travelling de caméra, etc. Hop. Un petit test sur Zapper. Ah oui, ça c'est assez particulier parce que quand on va dessus, vous allez voir que sur certains jeux GameCube sont en 576p. I. Donc ça veut dire qu'ils sont pas en 480p, 480... Ah, il y a une petite intro. Yeah. Fire of Love, moi-même. Jeu d'acteur catastrophique pour moi, je trouve. Je me suis marré dans la vidéo. Ouais. À dire que j'ai fait du théâtre avant. Que j'en avais fait. Ça ne se ressent pas trop dans cette vidéo. Voilà, je fais comme si j'avais perdu. Ah ça par contre, cette intro, c'est que moi en fait, les idées là. Et qu'à la fin, bah, y a ma sœur qui forcément nous explose. Voilà, c'était... Ah bah là, c'était le début des tests où je montrais l'intro du jeu au début. Pour introduire le test. Alors on va passer. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a des gros... Les bandes noires sont encore plus prononcées que dans Zelda, par exemple. Parce que voilà, le jeu est en 576i, et en 576i, et ben c'est vachement rétréci. Alors, comme ça. Je suis rendu à 44%, mais je vais d'abord vous montrer. Bon, je suis rendu à 44%, mais j'ai fait presque tout. Mais la résolution est un peu au-dessus du jeu. C'est un peu plus net, mais c'est pas. Alors, c'est moins bien en ça rend moins bien en vidéo, les bandes noires sont un peu trop grandes. Mais bon, voilà, c'était la petite anecdote. Et comme ça, c'est cool, j'ai pu vous parler de cette nouvelle intro. De cette époque. Ça date déjà. Hein. Un truc que j'avais monté avec Movie Maker. Bon, par la suite, tac tac tac. Bon, là, on a un test sur Prince of Persia qui a été assez bien apprécié. Il y a eu pas mal de vues sur celle-là, je crois. 3800 vues.
Ah bah oui, très bien apprécié. Mais c'est vrai que je l'ai revu il y a pas très longtemps, ce... voilà. Bah, quelques petites parties. Je me suis, parce que bon, je me suis dit, bah tiens, est-ce qu'à cette époque-là, j'avais un niveau plutôt convaincant en termes de commentary, donner mon avis sur le jeu, etc. Et puis c'était encore l'époque où je mettais des notes. Et puis oui, bah, les notes, ça a disparu il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Je crois en 2018, un truc comme ça, 2017. Mais... Oui, voilà, c'est une vidéo qui était plutôt... Par contre, voilà, là, j'ai enlevé, qui était plutôt pas mal, j'ai enlevé les bandes noires. Voilà, j'ai agrandi, en fait, l'image, et ça rend pas super bien. Sinon, c'est assez flou. C'est pas fou, c'est un peu... Bon, sinon, il y a quelques... Bon, parce que moi, je supportais pas les bandes noires à l'époque, mais finalement, c'est mieux avec les bandes noires. Parce que là, on voit que tout est aplati. Ça, c'est un peu dommage. Et surtout, j'avais un problème avec ce jeu, c'est que, je ne sais pas pourquoi, sur ma télé, ça rendait plutôt bien. Enfin, quoique, c'était plus sur la télé cathodique, donc là, c'était sur l'écran plat. Un petit écran plat entrée de gamme. Et le problème de l'écran plat, c'est que les jeux de GameCube et Wii étaient pas très beaux. C'était très flou. Alors que il y avait des petits points aussi, que l'on voit pas sur la vidéo. Mais, par contre, on voit les espèces de traits, là, comme ça. Et en fait, c'est le jeu, je pense, comment il a été codifié. Et ça ne se voit pas forcément sur la télé, mais ça se voit, par exemple, sur la capture. On voit ce défaut. Et bon, j'étais assez étonné de ce défaut, mais bon. La qualité n'était pas exceptionnelle sur ce jeu. En fait, ça dépendait des jeux. Zelda, ça rendait bien, mais d'autres jeux, ça rend moins bien. Bon, ça dépend, hein, bah, comme maintenant, avec mon super boîtier de la mort et le gâteau, là. Et un certain jeu où c'est un peu moins fou au niveau de la qualité. Hein. On a beau mettre du Full HD. Ça dépend, en fait, comment a été développé le jeu. Et surtout aussi les détails, etc. Comme d'habitude, le bitrate. Enfin, tout ça, je vais pas vous en faire un dessin. C'est assez ennuyeux en plus à écouter. Trop technique. Trop technique. Vain Dieu, ça fait 1h34, mais vain Dieu, mais... Cette vidéo est très longue.